Voilà, alors, donc, bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dans ce sujet les affûts que j'ai fabriqués pour photographier notamment le loriot, qui, vous le savez, est un oiseau très facile à photographier. Et donc il m'a fallu quelques années pour trouver les astuces nécessaires pour venir à bout de ce satané fantôme des bois. Donc je vous invite à me suivre. Je vais vous présenter tout ça. Nous allons tout d'abord prendre un peu de hauteur pour voir un peu l'habitat du loriot. Donc je vais vous montrer un peu où c'est que j'ai pu photographier et filmer cet oiseau splendide et passionnant. Bon, alors voilà, nous arrivons au pied du premier affût que j'ai construit. Alors c'est le plus grand. On est à peu près à une hauteur de environ, je dirais, entre 10 et 12 mètres, vous verrez. Voilà, donc ça a été un peu de travail pour construire ce genre d'affût, car déjà j'avais un peu au départ le vertige, donc c'est pas facile. C'est un affût que j'ai construit tout seul avec des matériaux de récupération, voilà, notamment une échelle qui appartenait à une palombière qu'avait fabriqué mon père il y a quelques années. Et donc voilà, on va monter et vous allez voir un peu en haut comment ça se passe. La première chose, j'ai suspendu l'appareil à photo avec un trépied. De toute manière, la stabilité n'est pas bonne puisque l'affût bouge en permanence. Et donc ça ne servait pas à grand chose. Et ici, j'ai quand même trouvé un bon système pour pouvoir bouger mon appareil rapidement. Le faire tourner, le faire pivoter ici comme ça, d'un côté, de l'autre. Voilà, ici on a des vitres santé, une petite perte de luminosité pour l'appareil, mais c'est vraiment très faible, il n'y a pas grand chose. Et au niveau du piqué également, c'est très faible. Voilà, donc ici j'ai une fenêtre ici là sur la droite, j'en ai une ici en face que je peux ouvrir, voilà. Et de ce côté ici, voilà, j'ai une troisième fenêtre, voilà. Donc vous voyez un peu qu'on a installé. Alors c'est construit avec du tube aluminium, donc les fenêtres on peut ici, voilà, on ouvre ici avec les rideaux, et ici on les fait pivoter comme ça, comme ceci. Là, comme ça, ça permet de les nettoyer à l'extérieur. Voilà. On nettoie, hop, on repivote, on remet en place, et voilà, c'est nickel, c'est parfait. Voilà. Une autre vue de l'affût avec un siège. Le siège de bureau que j'ai adapté. Voilà, ça me permet de reposer les jambes un peu après 5-6 heures d'afflux, ça aide. Alors ici vous voyez même les toilettes, c'est de l'affût 5 étoiles. Voilà. Alors voilà, donc ce que ça donne de l'intérieur au niveau de la vue, vous voyez, on a vraiment une superbe vue ici, ça permet de voir sans être vu. Et vous allez voir, c'est vraiment impeccable, on ne voit rien de l'extérieur comme vous pouvez le constater, et c'est vraiment l'idéal pour voir les oiseaux sans être vu. Voilà, maintenant le tour du propriétaire est terminé, nous allons ouvrir la trappe ici, voilà, et vous voyez, on a accès à l'extérieur, nous allons pouvoir redescendre. Alors je vais vous montrer que cet affût sert aussi à des petites coquines, puisque ici, si vous voyez, quelques plumes
Donc, c'est des chouettes culottes qui viennent dormir ici sur cette branche et qui rentrent même parfois à l'intérieur de l'affût. Alors ces chouettes culottes, figurez-vous que c'est là que je me suis aperçu que un jour j'ai retrouvé des plumes jaunes, et vous devinez de quoi elles se nourrissent, entre autres. Et sur le coup, ça met un peu les boules, mais bon, c'est la loi de la nature. Bon, c'est parti pour aller voir le deuxième affût. Ici, nous avons une vision globale du paysage. Voilà. Ah, j'oubliais. Transformation. Ah, déjà, c'est mieux. Vous voyez, j'ai cette tenue. Pour le loriot, c'est impératif. Pour d'autres genres d'affûts aussi, d'ailleurs. C'est une tenue qui se rajoute, qui est élastique, qui se rajoute par-dessus des vêtements d'hiver, ou alors justement qu'on peut utiliser l'été, qui est très légère et c'est vraiment très fonctionnel. Voilà, les gants, la cagoule, on est vraiment dans le camouflage idéal de la 3 dimensions qu'on appelle. Voilà, ça s'accroche pas trop dans les branches, c'est vraiment pratique. Personnellement, je m'en sers donc pour cet affût, et il m'arrive aussi de m'en servir pour d'autres animaux. Je peux me mettre au pied d'un arbre, dans un buisson, avec un petit camouflage sur l'appareil à photo, et ça suffit amplement. Sans bouger, on a des résultats assez incroyables, je dirais. Il m'est arrivé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, d'avoir un merle qui se pose sur mon épaule. Vous voyez, c'est assez efficace. Voilà, donc ici, nous sommes au pied du deuxième affût. Voilà, alors le principe de cet affût, c'est qu'il soit mobile. Donc j'ai une échelle ici, trois pans, où j'ai rajouté d'ailleurs un quatrième pour avoir un peu plus de hauteur si besoin est. Voilà, ici j'ai pour le camouflage ici des espèces de barrières qu'on se sert pour camoufler des grillages ou des murs, voilà, qui sont en feuilles plastiques. Et le gros avantage, c'est que c'est flexible, on peut l'étirer, l'allonger et on peut l'adapter suivant n'importe quelle configuration. Voilà. Et ça reste toujours vert. Alors après, nous allons monter pour voir la configuration de l'affût en haut. Alors ça y est, là nous sommes en haut, je suis assis, je suis positionné. Bon, autant vous dire que l'espace est très étroit. Il faut de toute manière qu'il en soit ici, car il faut être le plus discret possible. Alors ici, je vais essayer de vous montrer en détail, plan par plan, le montage de cet affût. Alors ici, vous avez une vision sur la fixation, donc des grosses sangles. Ne pas lésiner sur les attaches. On peut vite se retrouver par terre à un étage plus bas. Ça peut faire mal. Alors ici, vous voyez la structure, c'est de l'aluminium. Toujours pareil pour les soucis de légèreté. Ici, vous avez le détail de la fixation de la rotule. Voilà, j'ai mis une plaque en alu avec une vis appropriée pour pouvoir venir visser ma rotule. Alors ici, une vision du siège. Voilà. Alors, tout simplement une chaise de camping avec les pieds cassés que j'ai achevé de couper, que j'ai fixé toujours sur la structure en aluminium, dessous un filet pour pouvoir mettre des accessoires. Voilà, j'ai passé beaucoup d'heures dans cet affût, jusqu'à 8 heures d'affilée, donc il faut quand même un minimum de confort. J'espère que cette petite présentation vous a plu de ces deux affûts. Donc vous avez bien
pu constater que ce deuxième affût est très pratique parce qu'il est très mobile. Je peux le défaire, le détacher des arbres et l'amener où bon me semble, repérer les endroits intéressants. Il peut servir à d'autres oiseaux. Alors le gros avantage de ce genre d'affût, c'est que on est perché dans les arbres et les oiseaux ne nous attendent pas à cet endroit-là. Ce que je veux dire, c'est que on a à peu près le même résultat que un affût flottant. Donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé l'affût flottant, sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà pratiqué cette sensation de faire partie de l'élément et de ne pas déranger du tout. Voilà, donc c'est un peu la même sensation. Donc les oiseaux regardent à terre pour voir d'où vient le danger, en tous les cas le nôtre danger, mais ne prêtent pas tellement attention à ce qui se passe en haut. Donc ça fait que on a un résultat assez étonnant, je dirais. En tous les cas pour les loriots, j'ai eu l'occasion d'assister à des scènes assez incroyables. Voir des loriots à moins d'un mètre, c'est quand même des moments qui vous restent gravés à vie. Tant que nous y sommes, nous allons parler de l'éthique. Alors l'éthique en un mot, parce que bon, il faut quand même faire très attention, on ne peut pas faire n'importe quoi pour pouvoir réaliser une photo ou une vidéo. Il faut savoir que les oiseaux ont besoin quand même d'une certaine tranquillité. Et alors particulièrement à certains moments, alors pendant la couvaison, donc là, interdit de venir tourner autour et de monter ce genre d'affût. Donc c'est ou on le fait avant ou après, mais pas pendant. Ça, je pense que c'est très très mauvais pour n'importe quel oiseau, donc faites très attention. Voilà. Après la nuit, c'est pareil, on ne vient pas, contrairement à ce qu'on croit. Pendant cette période, la femelle est sur le nid, donc si vous venez la nuit, vous allez la déranger. Après, vous avez d'autres facteurs comme la météo qui rentre en jeu. Donc moi, je ne m'approche pas quand il pleut beaucoup, parce que je sais que la femelle, même s'il y a des petits, elle vient protéger les petits de la pluie. Après, vous avez aussi par temps de grosse chaleur, quand il fait très très chaud, la femelle aussi vient protéger ses petits du soleil et de la chaleur. Donc si vous venez, vous dérangez, voilà. Donc ça, c'est des points à faire attention. Après, il ne faut pas être aussi complètement parano. Les oiseaux sont habitués à la présence de l'être humain. J'ai vu des loriots nichés à moins de 10 mètres d'une maison. Alors ça paraît être incroyable, puisque vous n'arrivez pas à les voir, mais eux, ils savent parfaitement se fondre dans le paysage, et donc la présence humaine, ça les dérange pas du tout. Je les ai vus fonctionner, je suis rentré dans leur intimité, et je peux vous dire que c'est assez rigolo d'ailleurs. Des fois les gens sont à 4-5 mètres et sans s'en apercevoir. Voilà, donc ça ne leur pose pas de problème, sauf que il ne faut pas rester planté à côté d'un nid par lit pendant une demi-journée, ça pourrait causer de graves dégâts. Voilà, donc c'est des petites règles comme ça à respecter. Alors, vous comprenez que ma pratique photo est vraiment très spéciale. Alors, on n'a pas conseillé à tout le monde, si vous n'êtes pas patient, si vous n'avez pas de persévérance, oubliez ce genre de pratique. Vous pouvez vous faire plaisir dans des parcs animaliers, dans des parcs ornithologiques. Et il n'y a pas de honte à ça, et vous ferez de très belles photos aussi. Voilà, donc dans la deuxième partie, je vais vous présenter mon affût flottant. Alors voilà, donc présentation de mon affût flottant. Alors c'est pas très compliqué, a priori rien d'extraordinaire, des flotteurs en PVC et après une structure pour recouvrir dessus. Voilà, la
La grosse différence, c'est que c'est monobloc, c'est pas le système de montage. Pour moi, c'était trop compliqué, pas assez rapide. Voilà, donc j'ai fait quelque chose de fonctionnel, de rapide. Voilà, donc là, on soulève le capot. Hop, on rentre à l'intérieur et on referme. Voilà, donc là, de ce côté-là, c'est hyper simple. Et quand on a fini, on ressort, on referme, et devant j'ai une roue de brouette et ça me permet de le transporter en toute liberté. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, pour les premières caractéristiques de cet affût. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail. Alors ici, voilà, donc ici on a une vue de l'avant avec une roue de brouette pleine, voilà, tout simplement, qui sert à le transporter assez facilement sur plusieurs centaines de mètres sans souci. Autre petite astuce, des petits accoudoirs de chaque côté. Voilà, de chaque côté, ça permet de reposer les coudes à la bonne hauteur. Pareil, même genre de détail qui permet de tenir plusieurs heures. Alors la différence, voilà, aussi j'ai cette petite tablette. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est tout simplement pour s'asseoir dans l'eau, parce que souvent on est debout ou à genoux, et alors là les genoux, au bout de demi-heure, bonjour, je sais pas pour vous, mais moi je tiens pas plus longtemps. Donc là, ça me permet de m'asseoir tout simplement, et alors là c'est le top, je suis super bien, je peux rester tranquillement à l'affût. Ici on passe au point, je dirais, différent, je dirais peut-être d'autres affûts flottants, c'est cette espèce d'aquarium que j'ai greffé dedans. Alors ça, tout simplement, c'est une caisse en plexiglas, voilà, donc assemblée étanche, et devant par contre j'ai une vitre en verre pour la transparence et pour pouvoir la nettoyer, être parfaitement clean. Vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, ici voilà mon montage. Donc je viens, quand j'ai mon affût, je l'ai ouvert, je me pose ici. Voilà, alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce montage? Voilà, alors je vais vous expliquer. Ici, c'est pas compliqué. Donc ici, j'ai la possibilité de régler la hauteur de mon appareil, et j'ai surtout le gros avantage de pouvoir descendre carrément au niveau de l'eau, et même en dessous du niveau, puisque mon niveau d'eau se situe environ par ici, donc à moitié objectif. Donc à moitié objectif, donc vous vous rendez compte que j'ai une vision vraiment au ras de l'eau, puisque c'est ce qu'on cherche dans les affûts. Alors ça, c'est parfait, parce que ça me sert de caisse, je peux poser tous mes accessoires sans problème, c'est vite retiré, hop, je le sors, je le rentre. Voilà, alors vous allez me dire, comment je fais pour voir dans le viseur? Alors là, j'ai un parasoleil qui est normalement plus court, et je peux m'approcher là. Ici, bon, j'ai un écran orientable, sinon vous avez des viseurs d'angle pour pouvoir voir, et c'est ce que j'utilisais sur mon Canon. Voilà, donc c'est vraiment un gros avantage à mon avis. On est vraiment au ras de l'eau, et voilà, vous allez voir quelques exemples de photos que j'ai pu réaliser. Il y a longtemps que je n'en ai pas fait, mais bon, c'est on n'est pas trop dans une région de lacs ni de marécage, donc j'ai pas trop l'occasion de l'exploiter, mais c'est vraiment l'affût flottant, c'est vraiment une expérience unique, et je le conseille à tout le monde. Si vous ne l'avez pas fait, tentez-le, c'est vraiment exceptionnel, parce qu'on est vraiment baigné dans le milieu naturel, c'est le cas de le dire, et on peut approcher les oiseaux, les animaux, on va très 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 près, il n'y a aucune méfiance et aucun dérangement. Voilà, donc ça, c'est vraiment le top. Voilà, la vidéo est enfin terminée. Donc ça a été un peu long, je sais, j'ai un débit de parole un peu lent en plus, donc ça se rajoute à la complexité du sujet. Voilà, donc si vous avez
aimez, comme disent les jeunes, vous pouvez liker, mais enfin, ça c'est pas très important pour moi. Le tout c'est que ça vous ait apporté quelque chose et que ça vous donne des idées et que ça vous fasse gagner du temps. Voilà, c'est surtout ça le but du jeu, de partager pour moi. Quand je vais voir un sujet comme ça, des fois sur d'autres points techniques, ça m'aide assez souvent et ça me fait gagner du temps. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine.